Alors, bien aimé, le livre de Juges, chapitre 13, à partir du verset 1er, vous pouvez lire jusqu'à la maison, jusqu'au verset 5. Mais moi, je vais juste gratter quelques versets, après on va s'arrêter. Juges, chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 25. Si on peut se mettre debout pour honorer la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel le livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tchoréa du clan des Danites qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit : Te voici stérile, sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte et de ne rien manger de pur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Ce serait lui qui commencera à délivrer Israël de la domination de Philistins. La femme alla dire à son mari : Un homme de Dieu est venu vers moi et il ressemblait à un ange de Dieu. Il avait l'air effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit : Tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Verset 8. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle se trouvait dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle lui courut vite annoncer la nouvelle à son mari et lui dit : L'homme qui est venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach s'éleva pour suivre sa femme. Alla vers l'homme et lui demanda : Est-ce toi qui as parlé à ma femme ? Il répondit : C'est moi. Manoach dit : Lorsque ta parole s'accomplira, comment faudra-t-il agir vis-à-vis de l'enfant et qui aura-t-il à faire ? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach : Ta femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera à aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle respectera tout ce que je lui ai prescrit. La parole du Seigneur. Amen. Acclamez la parole du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas le discours des Macron. Ça, c'est la parole vivante et créatrice de Dieu. Alléluia. Reprenons place, bien-aimé dans le Seigneur. Comme je viens de le dire, bien-aimé, je veux juste mettre de base. Après la mort de Josué, je commence mon message là. Après la mort de Josué, nous savons tous que Josué, c'est lui qui a pris le relais après la mort de Moïse. C'est lui qui a remplacé Moïse. Josué, bien-aimé, a fait entrer Israël dans la terre promise, dans le Canaan. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. Moïse a formé Josué. Mais Josué n'a pas eu le temps de former quelqu'un pour le remplacer le jour où lui va mourir. Au lieu de former un leader, Josué n'a pas formé quelqu'un. Mais avant la mort de Josué, si vous prenez Josué chapitre 24, vous verrez quelque chose que Josué a dit au peuple d'Israël. Josué a dit, il rassembla bien aimé le chef de tribu, il a rassemblé le peuple de Dieu, et Josué leur parla des choses que l'Éternel a pu faire pendant leur marche, bien aimé, pour arriver à la terre promise. Josué a rappelé au peuple le bienfait de Dieu. Josué a rappelé au peuple la puissance de Dieu. Josué a rappelé au peuple ce que Dieu a opéré dans leur vie pendant leur marche.
Josué a donné conseil au peuple de Dieu que vous devez obéir à Dieu. Vous devez honorer sa parole. Nous devons respecter la loi de Dieu. Josué parlait au peuple d'Israël. Il dit au peuple, si vous obéissez à Dieu, Dieu sera pour vous. Mais si vous désobéissez à Dieu, Dieu tournera son dos. Et les ennemis vont vous tuer. Vous serez éliminés sur la face de la terre. Ça, c'est la dernière volonté de Josué au peuple d'Israël. Il était clair là-dessus. Il a dit au peuple, vous devez honorer Dieu, frère. Et cet après-midi aussi, je profite de dire à l'Église, nous devons honorer le Seigneur. Amen. Nous devons respecter Dieu, frère. La Bible dit quelque part, je crois dans Matthieu 7, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas ceux-là qui vont entrer dans le royaume des cieux. Venez dans l'Église, alléluia. Mais ça ne suffit pas bien aimer dans le Seigneur. Jacques dira quelque chose. Ne soyez pas des auditeurs et oubliés. Mais soyez des hommes lorsqu'ils écoutent la parole du Seigneur et les mettent en pratique. Et de telles personnes, la Bible les compare comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, les torrents sont frappés, mais la maison est toujours stable. Pourquoi? Parce que le fondement bien-aimé, la maison est bâtie sur un fondement solide. Josué a dit au peuple. Et la Bible dit que le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont écouté ce que Josué a dit, ils ont répondu à Josué, nous allons honorer le Seigneur, nous allons le respecter, nous allons marcher selon sa parole. Josué mourit. Et lorsque Josué mourit, bien aimé, il n'y avait plus personne pour diriger Israël. Écoutez, frères et sœurs, mon père et mon frère, papa, maman, lorsque nous sommes encore en vie, préparons l'avenir de nos enfants. Amen. Je parle tant que Congolais, je suis Congolais. Tout le monde a malade, malade, il y a des retraites. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons changer. Ce n'est pas encore fini. Tu peux changer, je peux changer. Le futur de nos enfants bien aimés dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. J'ai aimé ce que le pasteur a prêché dimanche passé. Ça nous a édifiés. Il y a beaucoup de choses qui se passent bien aimé dans nos maisons. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais Dieu va nous aider, frères et sœurs. La Bible dit, Josué mourut. Eux, les enfants d'Israël dans le Seigneur, ont oublié tout ce que Dieu les a ordonné. Israël, lorsqu'ils arrivent en Canaan, lorsqu'ils ont possédé Canaan, ils ont commencé à copier ce que les Cananéens faisaient. Parce que lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, Dieu n'a pas enlevé tous les ennemis d'Israël. Il a laissé quelques personnes, les Cananéens. Les Cananéens qui aiment dans le Seigneur, ils avaient leur façon. Ils adoraient d'autres dieux. Ils se prosternaient devant des idoles. Alors Israël qui aiment dans le Seigneur, ils ont commencé à copier ce qu'ils voyaient aux Cananéens. Et ils ont tombé dans ce qu'on appelle l'anarchie. L'anarchie, c'est quoi? L'anarchie, c'est là où règne le désordre. Parce qu'il y a la monarchie et l'anarchie. L'anarchie, bien aimé, c'est je vous donne juste l'exemple. Nous sommes à l'église. S'il n'y a pas de protocole, s'il n'y a pas de pasteur, s'il n'y a personne pour mettre l'ordre, on appelle ça l'anarchie. Donc, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Pour bien comprendre le livre des juges, bien aimé. Évangéliste Olivier,
peux nous lire, s'il te plaît, papa. Lis-nous dans le livre de Juges, chapitre 21, verset 25. Pour bien comprendre ce que je veux dire ici, écoutez ce que la Bible dit dans Juges. Juges 21, verset 25. Écoutez. Juges 21, 25, je l'honore Jésus-Christ. Amen. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous verrez, Elimelech, Naomi, parce qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Il n'y avait personne pour les diriger. Ils ont tombé dans l'anarchie. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Personne ne respectait, personne ne honorait la parole de Dieu. C'est comme bien, mais s'il n'y avait pas de feu de circulation, on allait voir chaque jour des accidents. Alléluia. Amen. Ma fée, ça t'est. Pourquoi le téléma? Pour moi, il fait rouge, ça. Au téléma, comme on dit, le téléma, ça t'est. Parce que sans bien aimer le feu de circulation, on aura des accidents. On aura des problèmes. Alors, dans cette époque, bien aimé, il n'y avait pas un roi. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de principes. La Bible dit chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et j'ai pensé à cela. Aujourd'hui encore, c'est comme si nous vivons l'époque que Israël a vécu. Chacun fait ce qui lui semblait bon. Jusqu'au point, les enfants de Dieu disent que leurs avis privés maintenant. Moutakota dit, Tokota noté les amadés. Donc, quand ta vie privée noté, mais ce que tu fais, ce n'est pas bon. Où est-ce que tu privée là? Mais pas dans la vie privée, s'il vous plaît. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a suscité des juges. Et quand on parle des juges dans ces livres, ce ne sont pas des juges que nous voyons dans les tribunaux. Non. Ces juges-là étaient exceptionnels. Dieu les suscitait juste pour délivrer Israël en cas où les ennemis s'approchent aussi à la guerre. Dieu suscitait un leader. Dieu suscitait une personne pour faire face aux ennemis. Il y avait plusieurs juges à l'Israël. Plusieurs. Et ils étaient des leaders. Ils partaient dans les combats, dans la guerre. Mais à cette époque-là, les gens pouvaient dire qu'ils n'ont aucun député parce que c'était comme ça. Alors, là où nous venons de lire, la Bible dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît. Firent encore. Cela veut dire, c'était l'habitude, frères et sœurs. C'était l'habitude. Parce que le livre de Juges nous enseigne quatre leçons principales. Le livre de Juges nous enseigne quatre leçons principales. Première leçon que le livre de Juges nous enseigne, c'est la fidélité à Dieu. Ils ont oublié les bienfaits de Dieu. Ils ont oublié tout ce que l'Éternel a pu faire dans leur vie. Leur fidélité à Dieu. Et c'est ça qui s'est répété, bien-aimé, année après année, dans ces temps où les juges, bien-aimés, étaient installés par Dieu. Leur fidélité à Dieu. Deuxième de leçon que ce livre nous enseigne, la punition de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, évangéliste Olivier, dans la leçon Jérémie chapitre 2, verset 19, s'il vous plaît. La punition de Dieu. Donc ce livre nous enseigne sur la punition. Lorsque Israël devenait infidèle à Dieu, Dieu les punissait. Jérémie 2, verset 19. Amen. Ta méchanceté te châtiera. Ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras ce que tu es une chose mauvaise. Écoutez, là on va voir, papa. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise. Amen. D'abandonner l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Et de la voix
n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur, frère? Tu diras à Israël, lorsque vous allez devenir un fidèle à moi, la Bible dit, tu sauras et tu verras ce que signifie abandonner l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, je vais encourager un frère, je vais encourager une soeur, malgré les temps difficiles, malgré les circonstances de la vie, n'abandonne pas Dieu, frère. N'abandonnons pas l'Éternel, bien-aimé. Tout ce que nous voyons, frères et sœurs, va passer. Tout va passer. Israël ont abandonné la voie du Seigneur. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Et Dieu s'est mis en colère. Il est livré. Dans notre version, la Bible dit, il est vendé. Donc Dieu livre son peuple. Et pas Bangouna. Vous savez, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Alléluia. Alors si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Troisième chose que ce livre nous enseigne sur la repentance. Lorsque Israël vient aimé dans le Seigneur, Dieu les punissait pendant des années. À un moment donné, Israël revenait à Dieu. Des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Des Chroniques, chapitre 7, verset 14. La troisième des choses que ce livre nous enseigne sur la repentance. T'as trouvé, Ange? Oui. Si mon peuple est sur qui? Si mon peuple est sur qui? Est invoqué mon nom. S'humilie, prie, et cherche ma face. Et si c'est détourné ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Amen. Dieu veut, bien aimé, nous arrivions à se repentir. Malgré, bien aimé, les hauts et les bas, malgré les circonstances et la vie, bien aimé dans le Seigneur. Frère, la Bible dit, si mon peuple à qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Frère, la repentance, c'est quelque chose que nous devons faire chaque jour. Amen. 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 Vous savez la femme chronique, bien le moutou, vous avez la date de l'Olem Isaïe. Omoni, Kalimo, Komi, Zorana, Patata, Nayo. Oyita, Kim, Kedou, Senada, Yemoko, Abigen, non, cette fille, ce n'est pas ma fille. Amen. Il s'est repenti. Et il a rentré à son père. Un jour, je parlerai de cet enfant, frère et soeur. Parce que c'est l'histoire de l'enfant prodigue, c'est une histoire prophétique. Parce que la Bible dit, cet enfant a gaspillé son argent, il a commencé à vivre dans la débauche. Il a donné tous ses biens aux prostituées. C'est ça que la Bible dit, non? Alléluia. Amen. C'est pour ce qui dit, enfant prodigue, c'est total égoïe. Histoire de la vie, mon enfant n'a pas de père. Amen. Déjà, à un moment, papa n'a eu avant que papa n'a pas ça. Parce que tu ne peux pas hériter de ton père aussi longtemps que ton père vit encore. Amen. Mais il a tué son père, il est dans la scène. Il pleurait, c'est comme ça qu'il dit. C'est vrai.
Dieu me voit dans un des besoins d'avenir. Mais ça parle de toi, mais on a foi. Comment est-ce qu'on a d'abord? Nous avons une idée. Vous prenez nos bibles, on a foi, très bien qu'elles soient fouettées. Nous avons besoin d'un monde. Bon, on a un chrétien. Nous avons besoin d'un monde. Si vous dites que ça va payer, nous avons besoin d'un monde. Non. Amen. Amen. Nous devons faire attention, frères et sœurs. Donc, nous devons nous repentir, frères et sœurs. Amen. Je t'aime. La repentance. Troisième leçon. Merci, pasteur. Donc, ce livre nous enseigne sur la repentance. Et lorsque le peuple se repentait, bien aimé, Dieu s'est repenti aussi. Et il, bien aimé, a jongé la qui, combattre la bango, combattre sa bango victoire. Amen. Et le quatrième leçon de ce livre, frères et sœurs, c'est le rétablissement. Donc, ils étaient infidèles, Dieu les punissait, ils se repentaient et Dieu les rétablissait. C'était le cycle, bien aimé, au temps de juge. C'est ça qui s'est répété année après année, année après année. Alléluia. Amen. 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 Et là, on ouvre le livre, la Bible dit, les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Donc, après que l'Éternel puisse le pardonner, au lieu bien aimé dans le Seigneur de prendre les choses au sérieux, la Bible dit, ils ont encore fait ce que Dieu qui t'est blessé à Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel les livra de nouveau entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Amen. Amen. La Bible ne dit pas pendant 2 semaines ou pendant 2 mois, mais pendant combien d'années? 40 ans, frère. Tu souffres pendant 40 ans. Dieu livra son peuple, frères et sœurs, au pouvoir de ses ennemis. Israël commence à souffrir, bien aimé dans le Seigneur. Juste au bout d'un, un peu solo, parce que bah, les gens, dès qu'ils arrivent en Europe, au moins, on a gombé. On a la vente. Amen. Amen. Et puis, Baba, la mission de l'Union, Baba, le monde qui Congo, l'île, Kuntuala, Madouda, Kifuma, Kingoi, Kinzuana, Dokolo. On est là, c'est pour nous, Dokolo. L'âme. Amen. Mais différent en Europe, l'Europe, elle va Congo, l'Union, qui habite pour Achanti, Gouvier. Ça sonne déjà très bien. Alléluia. Amen. Et puis, souvent, qu'on a chanté, on a débattu, on a chanté. Amen. Amen. La femme a la Beauvais. Amen. Amen. La femme a la Marseille. Et vous sonnez bien. Ça finit les temps. Alléluia. Amen. Mais il y a un peu sur cette route. Il y a un peu sur la boum. Voilà. La femme a la boum. Nous sommes avec le retour d'accord à Selema ou dans la corne à Selema. Nous sommes pas là, nous étions Kamuka. Pas qu'à Dieu. Alléluia. Alléluia.
La Bible dit les enfants d'Israël, Dieu les livrait entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Ils souffraient. Ils souffraient. Pourquoi 40 ans bien-aimés dans le Seigneur? Vous avez remarqué le chiffre de 40, bien-aimés? Ce n'est pas un chiffre à négliger. Il y a une signification, bien-aimés. Dans les chiffrologies, tout chiffre dans la Bible est fait à un sens. Mais je vais parler juste des 40. Chiffre 40, bien que je ne vais parler pas en profondeur, je vais survoler. Chiffre 40, bien, nous parle des temps. Le temps de l'épreuve. Vous allez remarquer, Israël, on fait combien de temps dans le désert? 40 ans. Amen. À l'âge de 40 ans, bien dans le Seigneur, Moïse est sorti de l'Égypte. Il arrive à Madian chez son beau-père, Jéthro, dans le, il a fait 80 ans. Dieu l'appelle après 40 ans. Ça fait combien? 120 ans. Donc, le chiffre 40, c'est un chiffre qui parle de la maturité. C'est un chiffre qui nous parle de l'épreuve. Si vous lisez dans 1 Samuel 17, verset 16, vous allez remarquer que Goliath venait chaque jour devant le peuple d'Israël et il tenait les mêmes propos pendant combien de jours? 40 jours. Alléluia. Donc, le chiffre 40, bien-aimé, c'est un chiffre qui nous parle de l'épreuve. Je n'ai pas dit, c'est juste le symbole. C'est un symbole. Chiffre 40, c'est un symbole. Dans le 40e jour, bien-aimé, Jésus a fini son programme et il est conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Moïse a resté devant la face de Dieu pendant combien de jours? 40 jours. Et si vous lisez dans Deutéronome, chapitre 8, verset 3, la Bible dira, attends, je vais lire ça, pour comprendre la chose que je vais dire. Deutéronome chapitre 8, verset 3. La Bible dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait tout humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur. Et savoir si tu respecterais ou non ces commandements. Donc vous voyez que le chiffre 40, c'est un chiffre de l'épreuve. Israël ont passé 40 ans dans le désert parce que Dieu a voulu tester son peuple. Est-ce qu'ils vont rester avec moi ou ils vont abandonner l'Éternel? Amen. Amen. Dieu livra Israël pendant 40 ans. Et la Bible dit, retournons dans Juges, s'il vous plaît. Et il y avait un homme de Tchoréa, du clan de Danite, qui s'appelait Manoat. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. Donc, après 40 ans, bien-aimé dans le Seigneur, le chiffre 40 nous enseigne aussi la fin de l'épreuve. Alléluia. Amen. La fin de l'épreuve. Goliath a fait 40 jours, donc 39 jours. Les 40e jour, Isaïe va dépêcher David d'aller voir ses frères dans le champ de bataille. Le 40e jour, c'était la fin du règne de Goliath. Alléluia. Amen. Et en Israël, dans le Seigneur, il y avait un couple, l'homme s'appelait Manoach. Vous allez remarquer, la Bible ne donne pas le nom de sa femme. Mais si vous lisez les textes jusqu'en bas, vous allez comprendre que cette femme, c'était une femme vertueuse. Amen. Amen. Elle ne porte pas un nom. Mais en lisant l'histoire, vous allez comprendre, c'est une bonne femme, frères et sœurs. Comme on nous a prêché dimanche passé, nous devons être des bonnes femmes et des bons maris vis-à-vis à l'autre. Amen. Amen. C'est très important, ma sœur. Moi, je m'étonne des fois. Tu vis avec quelqu'un jour après jour, année après année. Comment tu peux le faire souffrir? On va m'arrêter chaque jour. On va m'arrêter chaque jour. Ta vie, je peux dire, tu es vulnérable à ses mains. C'est elle qui s'occupe de toi. Papa paye pour ça que c'est ça. Mais comment tu peux souffrir ton partenaire? Comment? Vous avez été pourquoi m'y bannir? C'est pas normal. Que Dieu nous aide. Vous savez, demain, la plupart des gens, tellement compliqué. Tellement compliqué. Il y a des incompréhensions.
situation, vous ne comprenez pas, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, en fait, moi j'ai dit que les bas là, bien aimé dans le Seigneur, excusez-moi d'ouvrir un peu cette parenthèse. Je prends ma fille Allegria. Allegria, comme elle est là, elle grandit auprès de Mamaï. Elle était petite, elle grandit. Et Allegria verra ce que Mamaï fait à la maison. D'ailleurs, c'est de leur mot à présent. Allegria Zokola, même la maman, pendant des années, à ce moment-là, maman l'a mis là, pasteur, des fois, maman y'a le bagage, non, Allegria, ça là, et le repos n'a pas papa. Mais maman y'a repos, c'est ma consigne. Ça là, le repos n'a pas papa, n'a eu à l'ingé à ta boulette. Vraiment faux. Ok. Donc, et ça, des fois compliqué, mais des fois compliqué. Donc, moi, dans la leur, moi, si, à ce qu'on appelle Naïo. À ce qu'on a eu Nenge, aux autres salles. Et là, nous, papa Naïo, il est au Somolo, quand il y a ma foute à l'unité, parce que papa Naïo, il y a ma foute à l'unité. Et l'enfant grandit par rapport aux enseignements de sa mère. Moi, je dis souvent, les femmes que nous marions, ce ne sont pas nos femmes d'abord. Nous mettons dans nos maisons, ma maman, il y a basse la mission. Je vais m'expliquer. Moi, la moi, c'est à Poli, à Bali, à quel Bala. Mon Bali n'a yé, à comme il y a mon Bali n'a yé, n'est-ce que maman n'a yé, à Bala Osani. Le problème, on est ici. Donc, à son âme, mon Bali n'a yé, n'a pas papa n'a pas là. Vous comprenez? Et au moins, on ne peut pas avec le nom. Ma déçue, madame, m'a oublié. Et ce que la moisson, il y a un sac à l'année. Il y a un sac à l'année. J'ai resté 27 ans auprès de ma maman. Elle m'a appris comment préparer. Mais elle oublie. À Jean, il y a un sac à papa. À Jean, il y a un sac à la bagoté. À combien d'années pour mon bali n'aille. Mais à y est un caractère, à y est un comportement, à y est une façon à y est. On a comment on a un sac. Et si quand on dit ailleurs, on a des balles. C'est pareil, le problème, je suis papa. Parce que la porte, pour déclarer que mon bonheur, la tendresse, mon bonheur, ma bonheur. Mais attends, n'est-ce pas bichot? N'est-ce pas bichot? N'est-ce pas papa m'a cru, j'ai dit, ma mère est bégale, chérie, j'ai dit. Parce qu'il y a son des kilos. Maman, et ça, maman aussi, gâté. Tout le monde a monté. Ça, c'est vrai, non? Oui. Tout le monde a monté. Donc, c'est ça qui est sûr que tu as toujours. Ça, tu as commis. Même la cadeau, c'est ça un peu compliqué. Que papa vraiment a dit ça, et la maman, flair. C'est la beauté. Mais quand tu as dans les filles du bout, flair. Maman, soyons sérieux vraiment. Puis nous m'en avons avec nos flair. Et yo, est-ce qu'on redit ma flair ou pas? Non, on dit ma flair. Ma flair, on a dans mon délai. N'importe quoi. Mais en fait, ma personne flair était parce qu'on a mon délai. Intégration. Alléluia. Oh, il y a un salon, il y a un gâteau, il y a un fleur. Non, c'est vous déjà, c'est vous le fleur, mes affaires. Tout mes paramètres nous paient pour s'ajuster. Tout mes paramètres pour s'intégrer. Bien que ton corps n'est pas naté. Parce que tu sais pas ton corps n'est pas naté. Et ça, culture, la bise. Là, pour toute culture, là, il y a un ton message n'a pas été. Oh, tu as fleur? Ah, tu as fleur. Il y a une question. Ah, tu as fleur. Aucha. Vous pensez réponse, Aucha Flair. La poubelle. Alléluia. Amen. Donc, pasteur, pour la merci. Maintenant, on s'est vraiment au banc de la cérémonie, là, très important. Non, chaque mois, on nous a un week-end.
vous soyez libérés. Et comme il pleut aussi, ça vous demande de pas la vie sauter. Mais ça vous demande de pas de ma casse. Ni nous pouvons pas les gagner là-bas. Nous pouvons pas les gagner pas qu'il y en a. Mais créez-nous pas de problème. En fait, il n'y a pas les actes. La bombe n'a pas si j'ai beaucoup. Si j'ai ça, c'est un exemple. Maman Louise, n'a pas eu ça là. N'a pas eu l'état de l'âme. Tu as dit qu'il y a un si j'ai là. Tu as péché en 5 couples. Moutou a réagi par rapport à ces géants. C'est ça le problème. Batou Moussou, ce n'est pas votre à Kagelou. A Koutou, la yoté, déjà, la Koutou, la yoté. Madame, papa, bonsoir. Va m'y les salier. Il y a un temps, il y a Koutou, ma Kamouana. Baby, Aza, baby. Même si j'ai. Au moins, la couple Moussou sous basé le problème facilement. Facilement. Chérie Bonnie. Et puis, ma papa, la Moussou à Kala, la Moussou à Kala, va dire que c'est un peu différent. Au moins, la maman, il y a un mot avant que sa papa déjà réponse. Donc, papa, vous tenez Moussou à votre macamoula, mais maman, il y a un mot provoquer les déjà le mot qu'on papa, là-bas, il y a un mot qui passe. Hein. Donc, il y a un mot qui a déjà réponse. Vous comprenez? Papa là-bas, il y a un mot, il y a un transfert, il y a un mot qui passe, il y a un transfert qui passe, il y a un vraiment. Vandawan. Maman, le Moussou à Kala. Les sages femmes, merci pour votre chose. Les sages femmes. Donc, même si j'ai, n'a pas na yo, mon bagaye, mon soeur, on l'a pas souffouté. On l'a pas souffouté. Donc, même si j'ai, donc, et ça dépend de la canabre. N'est-ce pas que nous avons eu là, couple, la bine, la bine, la compréhension, la bine. Par contre, c'est pas si c'est facile. Facile. Maman, attends, papa, ça, il m'a bénéficié. Conseil gratuit. Au moins, nous sommes à papa. Là, nous sommes nos secrets. Nous sommes à papa, il m'a bénéficié. Attends, ça, il m'a bénéficié. Mais ceux qui vraiment, nous avons un mot de respect. Comme maman, papa, papa, tu contredis, il était. Au temps, il s'est que nous, ça, il m'a bénéficié. Papa aussi. Vous comprenez? Comme mes maillets qui contraignent, il a senti le mec de l'homme au lieu de m'en dominer. À un moment, elle a dit, m'a foutu des matières. Amen. Alléluia. Amen. Donc même si j'ai un moment dans la couple, dans les résolution, ils ont trouvé la solution rapidement. Nous sommes pas battus, bah, vanima, une semaine à Canada. Bah, le balade. Mais demi. Amen. Amen. Elle est ici, s'il vous plaît. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Dieu livra Israël. Et Dieu a choisi un couple. Et couple vaut bien dans le Seigneur. La Bible dit, l'ange vint vers la femme. La première des choses que l'ange a dit à cette femme, si vous laissez avec ce texte, l'ange commence à rappeler à cette femme son état de la stérilité. L'ange lui dit, voici tu es stérile. Tu n'enfantes pas. Donc, cet après-midi, je veux dire à quelqu'un, le Seigneur va te visiter. Amen. Le Seigneur va te faire du bien. Amen. Tu auras la visitation divine. La Bible de l'ange dit, voici tu es stérile, tu n'enfantes plus, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Amen. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Je n'ai pas le temps de détailler les choses là, parce que c'est ça qu'on appelle le Nazirea. Je n'ai pas le temps. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous montre que cette femme a reçu l'ange. Parce que le fait de recevoir l'ange, on appelle ça la théophanie. Donc, Dieu prend la forme de quelqu'un. Alléluia. Il est venu vers la femme et lui met la parole que Dieu l'a donnée. Et qu'est-ce que la femme fera? Elle court vers son mari et lui dit, j'ai eu une visitation divine. Que bientôt je serai enceinte, je mettrai au monde un fils. La femme n'a pas caché ce que l'ange l'a dit. Mais vous allez remarquer une chose. Lorsque le mari a eu l'information de la part de sa femme, au lieu d'accepter ça, la Bible dit, cet homme, Manoach, fait une prière à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Vous allez remarquer, sa prière ne commence même pas l'adoration.
Sa prière commence par interjection. Il dit, ah Seigneur, l'homme, l'ange que tu as envoyé vers ma femme, qu'elle vienne encore nous dire des choses que nous devons faire par rapport à l'enfant qui naîtra. Donc, la comprenez bien que le Seigneur, l'homme, Manoah, n'était pas content par rapport à cette visitation. Donc, pour lui, il faut que Dieu vint à lui, le leader, le chef de la maison. Lorsque là, il a eu, bien aimé, les informations, il n'a pas accepté, frère. Il n'était pas content. Il lui dit, il fait une prière. Zan, si tu as souvent joué à Aya, ou à prendre le ma cam, ou il te consacre à celui moi, Navana, à Bota. Bien aimé dans le Seigneur, l'heure est avancée. Papa, vraiment, au lit ici. Je veux maintenant de continuer ces messages, frères et sœurs. Retenez le thème. Il fallait couper ma tête. Si Dieu voudra, permettra, je vais continuer ces messages. Que Dieu vous bénisse. Fermons nos yeux, nous allons prier pour l'homme de Dieu. Nous allons bien parler.